sailed I to the merchant ships. Minutes after, they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to see these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Salut à tous, Eric Le Gauthier, Galago Musique. Après plusieurs semaines de suspense, je suis fier de vous présenter mon nouveau décor d'enregistrement. Comment ? Eh oui, car après avoir eu une surdose de Paris... 36 ans dans la capitale, c'est beaucoup, c'est trop. J'ai décidé de tout plaquer et de partir une année à l'autre bout du monde. Et donc plus précisément à La Réunion, et aujourd'hui encore plus précisément sur la plage de Boucan-Canotte. Donc c'est une année qui va être assez nomade, hein, parce que je compte bien enregistrer aux quatre coins de l'île dans des décors assez magiques. Et niveau matos, ça va être un petit peu routier, hein, parce que je suis parti juste avec une folk et une classique, donc bon, bah, faudra faire avec. Mais bref, ça va donc être une année vraiment, vraiment très différente de tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Et au-delà de l'enregistrement des tutos, je vais prendre le temps de composer, enfin. Et j'espère bien sur place rencontrer des musiciens et également la communauté Galago, car je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos ici. Donc bon, ça promet de grandes choses. Enfin voilà, donc les aventures ne font vraiment que commencer, et je voulais débuter mon premier tuto ici par Redemption Song, une chanson qui collait bien au décor, je trouve. Et donc comme à l'accoutumée désormais, vous pouvez cliquer ici pour découvrir l'historique du morceau, savoir comment et pourquoi Bob Marley l'a enregistré, pourquoi c'est acoustique, pourquoi c'est la dernière piste de l'album, et tout ça, tout ça. Allez, je vous montre déjà l'intro. Donc j'ai essayé de vous repiquer vraiment aux petits oignons l'intro comme le joue Bob Marley sur l'album Uprising. J'ai fait un petit mix également avec le live qu'il y a sur YouTube, que vous pouvez écouter d'ailleurs en cliquant ici si vous le souhaitez. Mais en tous les cas ici, c'est vraiment la version album. 6 mesures dans l'intro, voici la première. Bob Marley les joue au pouce, donc pas de médiator, on peut le faire si vous voulez, hein, mais moi perso je le fais comme lui. Donc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé 3ème case de la corde de mi, j'ai gratté avec mon pouce. Ensuite, je vais choper 2 cordes. Il y a plein de gens qui le jouent sans faire ces 2 cordes et je trouve que ça perd un petit peu du grain du morceau authentique. L'attaque va consister en fait à choper la corde de La et la corde de Ré en même temps. Comme ceci. Donc, corde de Mi, 3ème case. Ensuite, les 2 cordes à vide. D'accord. Ensuite, on va regratter ces 2 cordes à vide et on va faire un hammer-on hyper rapidos sur la 2ème case de la corde de La. C'est-à-dire, on refait du début, il y a des bestioles. Les 2 cordes à vide. Et après, c'est ça la ruse. Hey, joli. Et dès que vous avez fait ce hammer-on, vous allez bloquer ces cordes avec la paume de la main droite. Genre, hop, et c'est arrêté. Ensuite, on regrattera la 3ème case de la corde de mi en piquant les notes, c'est-à-dire soit en bloquant avec la paume, soit, si on peut le faire, en quittant le poids du doigt de la main gauche. Je pourrais faire toute la première mesure. Voilà. Ensuite, on va penser qu'on va vers un accord de Do majeur, d'accord? Mais uniquement avec ces 2 doigts-là. 3ème case du La, 2ème case du Ré. Très bien. On va enlever celui-là pour l'instant. Et sur le premier temps, on va gratter à la main droite la corde de La et la corde de Ré. Ces 2 cordes-là. Et dès qu'on a gratté ça, on va faire un hammer-on rapidos avec lui, comme on a fait dans la mesure précédente. D'accord? Ce qui va donner depuis le début, mesure 1 plus le premier temps de la mesure 2. Voilà. Et dès qu'on a fait ça, on est un petit peu sorti des embrouilles. Étant donné qu'on va juste gratter à la main droite la corde de Ré, la corde de Sol, on aura avant enlevé ce doigt-là. Donc on gratte ces 2 cordes-là. Et dès que c'est fait, hop, je fais un hammer-on hyper rapidos aussi sur la 2ème case de la corde de Ré. Comme ceci. Donc, 2ème mesure, premier et 2ème temps. Ensuite, et dès qu'on a fait ça, c'est plutôt fastoche, que la corde de Ré à vide. Après, on grattera la 2ème case de la corde de La. Cette note-là, on va la piquer également. Je vous refais la 2ème mesure complète. Voilà, je vous fais la 1ère et 2ème mesure. Cool. Donc, je vous joue la 3ème mesure et 4ème mesure d'affilée. Mmh.
On attaque sur la troisième mesure, troisième case du gros mi à nouveau, donc la note sol. Ensuite, on va gratter la et ré à vide. On va regratter à nouveau ces deux cordes-là en faisant le hammer-on qu'on avait dans la première mesure. Mais ce coup-ci, cette note-là, on ne va pas la faire durer, puisque dès qu'on a fait ça, on va regratter la corde de ré derrière. D'accord. Dès que ça c'est fait, on regrattera en fin de mesure 3. La corde de la et de ré, avec ici la deuxième case de la corde de la enfoncée. Troisième mesure complète. Voilà, et dès que vous avez fait ça, on attaquera la quatrième mesure qui donnera... Celle-là, ça va, hein. Donc, on était installé ici en deuxième case de la corde de la. On va faire un hammer-on rapidos vers la troisième case de la corde de la. Et redescendre en deux, corde de la vide. Et la note sol. Je vous fais la démo des mesures 1 à 4. Rendu ici, on rejouera exactement les mesures 1 et 2 à l'identique, c'est-à-dire... Donc là, on est sur les mesures 5 et 6. Hein. Et les mesures 7 et 8 pour terminer. Donc là, ça ressemble très fort à la mesure 3, c'est-à-dire on commence sur la troisième case du gros mi. On chope la corde de la et ré à vide. On refait le hammer-on, corde de la et ré à vide, deuxième case. Et derrière ça, par contre, on va choper les cordes de ré et sol à vide pour avoir... Et la fin, ce coup-là, c'est en double note et c'est très joli, en double stop. Faire ça. J'ai fait troisième case du la, deuxième case du ré. Je les chope d'un coup. Après, je vais descendre le majeur en deuxième case de la corde de la. Faire entendre à nouveau la corde de la et la corde de ré qui est à vide. Ce coup-ci, du coup. Après, du coup, corde de la et ré à vide. Et on atterrira. Sur sol, on revient à la maison. Ah, je vous refais toute l'intro. 3, 4. Du début à nouveau. Fin de l'intro. Alors comme j'ai bien pris le temps de vous expliquer l'intro, c'est peut-être un petit peu déjà long, je vais essayer de speeder un petit peu pour l'explication du couplet. Au niveau des accords, donc j'incruste les diagrammes directement sur l'écran, hein, ça sera plus rapide. Et voilà, avec ça vous êtes peinard, vous savez faire tous les accords. Donc dans le couplet, on va trouver une mesure de sol, puis une mesure de mi, après une demi-mesure de do, une demi-mesure de sol bassi et la mineure. Du couplet pour la rythmique, donc c'est là que c'est pas forcément facile. Bon, soit vous prenez la rythmique la plus facile qui consistera à faire bas, bas, haut, haut, bas, éventuellement. Mais bon, Bob Marley l'utilise en fait pas vrai. Il n'y a pas vraiment un motif qui revient tout le temps, c'est plein de petits motifs. Donc, moi ce que j'ai relevé, c'est dans la première mesure, la mesure du sol, ce serait de faire noir, deux, croche, deux, hop. D'accord ? C'est-à-dire, vous faites un premier coup vers le ballon, long, puis après, pour, pour. Hop. Le hop, c'est quand j'enlève tous les doigts. Noir, deux, croche, deux, hop. D'accord ? Dans la deuxième mesure, moi j'ai entendu ça. Noir, schlac, bas, haut, bas. Encore. Noir, schlac, bas, haut, bas. Ah, les deux mesures d'affilée, le sol, puis le mi mineur. Noir, deux, croche, noir, schlac, bas, haut, bas. Ensuite, on atterrit sur la demi-mesure, donc ça c'est plutôt fastoche. On fait deux coups vers le bas en do, de noir. Sol bas si de noir, d'accord. Et sur le la mineur, moi j'ai entendu ça, cette rythmique là qui revient d'ailleurs très très souvent sur la version live. Bas. Sur le la mineur encore. Bas. Hop. Bas. Bouche là. Bas. 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 Hop. Voilà. Avec ça, vous avez vraiment les quatre cas de figure les plus récurrents de la rythmique que fait Bob Marley sur ce morceau. Donc vous avez le choix de faire, comme je vous ai montré, les quatre rythmiques différentes sur les quatre premiers accords. Ça ressemblera vraiment bien à ce qu'il y a sur la version album. Mais vous pouvez prendre également, si vous voulez, une seule des rythmiques et les faire tourner sur chacun des accords. Bon, le seul truc, c'est que quand vous êtes sur les demi-mesures du couplet, vous faites vraiment que deux coups vers le bas. Ça ne change pas vraiment. Sur le refrain, on fera que des croches, mais là-dessus, c'est vraiment deux noirs d'affilée. Donc, couplet. 3, 4. 1, 2, 3.
merde. Merde. Chier. Bon, normalement, il y aura une troisième fois. Je vais directement passer à la quatrième fois qui va servir de pré-refrain. Donc, je joue ce pré-refrain une fois. Le Do va durer. Et Ré. Ou bien Ré 7, si vous voulez. Ok, donc pour ce pré-refrain, le Sol, c'est la même chose que dans le couplet. Mi mineur, même chose. Et quand on arrive sur le Do, sur ce coup-ci, il n'y a pas vraiment de demi-mesure. On va juste gratter 8 fois vers le bas. 8 croches. 3, 4, 5, 6, 7, hop. Et après deux mesures d'affilée de Ré. Soit du Ré comme ceci, là, power chord, soit du Ré majeur, si vous avez envie, soit Ré 7, ce qui sonnerait très bien aussi. Je vous refais donc ce pré-refrain. Arrête d'arriver sur le Do. Et Ré 7, tiens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Won't you help to sing? On atterrit sur le refrain. Le refrain, vous faites que des coups vers le bas, ça marche très très bien. Refrain, deux premières mesures. Bah, les quatre premières mesures sont pareilles d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. 2, 3, hop. 3, hop. Sol, je refais. Et après, mi mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Demi-mesure dorée. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Je reviens en sol. 2, 3, 4, 5. Demi-mesure dorée. 1, 2, 3, hop. Sol à nouveau. Fin du refrain. Je vous le refais une petite fois sans trop parler. J'essaie de chantonner vite fait pour que vous puissiez situer l'ensemble. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption. Faut quand même que je vous montre le pont aussi, mais j'ai pas envie que ta vidéo dure 25 minutes, donc je vais essayer pareil de pas perdre le rythme. Hein. Donc le pont, c'est quand il fait un instrumental comme ça autour de l'accord de mi mineur, et c'est assez classe, il fait. Encore. Donc il est en mi mineur, il va faire 1, 2, 3, voilà. Vous voyez, à la main droite, je gratte pas toutes les cordes, hein. Je m'arrête vraiment, je gratte les 4 cordes les plus graves. Mi, la, ré, sol, voilà, c'est très suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça ce serait le motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Ah. Et pour la fin du morceau, il va faire Do. Sol, bas, si. Puis là, il va faire un La mineur qui va durer beaucoup plus longtemps que les fois précédentes. D'ailleurs, il fait que des allers-retours à ce moment-là. Et il va terminer sur un Ré 7. Il le reste en suspens. Il ne reviendra pas sur son premier degré. Il ne revient pas à la maison. Consultez la chronique. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier tutoriel à La Réunion. Prenez vraiment ce que vous pouvez autour des explications que j'ai données. Gardez en tête que ce qui compte, c'est vraiment que vous trouviez votre propre formulation, votre propre style à l'intérieur de ce morceau. Voilà. Je profite également d'être là pour dire bonjour aux copains, parce que partir à l'autre bout du monde, c'est sympa, mais ça veut dire aussi dire au revoir à sa famille, dire au revoir aux amis, ses habitudes et tout ça. Donc même si c'est super cool d'être ici et tout, des fois ça fait un petit pincement en pensant, bah voilà, à Paris, enfin tout ce qu'on aime, tout ce que j'aime, quoi, voilà. Donc je fais un coucou, bah évidemment en premier lieu à la famille, tous les copains parisiens, à toute l'impasse canard aussi, parce que mine de rien, 10 ans d'impasse canard, ça avait beau, j'avais beau travailler vivre dans 10 mètres carrés, voilà, je pense à vous quand même. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Et puis ce coup-ci, ce sera, je ne sais pas encore, mais dans un autre décor, ce sera pas toujours la plage. Voilà. Et ben je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. D'ailleurs, je vois.